Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, abonne-toi, commente, like et partage. Donc là actuellement il est 18h, vous pouvez voir 19h bientôt, j'ai fini de me laver, comme vous pouvez voir, je m'apprête à mettre mon pyjama, après j'ai la flemme et puis je me suis dit que j'avais une vidéo à filmer. Donc là je vais vous montrer quelques petites histoires. J'ai acheté pour un petit haul des histoires que j'ai acheté pour ma cuisine. J'espère que dans des vidéos précédentes, pour ceux qui se rappellent très bien, je vous avais dit que je suis en train de vider beaucoup des histoires dans ma cuisine pour rester avec peu des histoires mais importantes. Donc c'est ce que j'ai continué à faire petit à petit, et j'ai quelques articles que je voulais juste partager avec vous. On ne sait jamais, une ou deux personnes seront intéressées aussi, pourraient s'en trouver dans des stores ou dans des magasins. So yeah, directement on va passer à la vidéo. Donc si tu es nouveau, abonne-toi. Si tu es nouveau et tu viens de passer par là, moi c'est Priscilla, je fais des vidéos vlog, cooking. And kitchen haul, you know, tout ça, mom life. And yeah, so on va directement passer à la vidéo pour vous montrer tout ce qu'il y a. C'est pas beaucoup de choses, mais intéressant quand même, j'ai envie de partager avec vous. Peace. Désolée, la musique derrière, Samir est en train d'écouter Coco Melon. So, la première des choses, j'ai acheté mon congélateur. J'ai juste acheté un petit congélateur, pas trop grand. Un congélateur, pas trop grand, sorry. Justement parce que tu vois, c'est encore une petite famille et tout. J'en avais trop besoin parce que dans mon frigo ici, c'était pas... spacieux. Donc, je me suis dit que ça serait mieux que j'achète un congélateur comme ça. Surtout en noir, j'aime beaucoup. Comme ça, ça reste dans le thème de la cuisine. Tout est noir et grise. Et je suis en train de vouloir essayer. Donc, je l'ai allumé il n'y a pas longtemps. Je suis en train d'essayer ce... comment le froid I was gonna work with the cold. So c'est pourquoi j'ai branché ça quoi, et j'ai mis des petits trucs seulement pour voir comment ça va. Mais je trouve qu'en tout cas il fait froid à l'intérieur, et donc c'est bon. Ensuite j'ai acheté des rideaux comme ça. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont utilisé ça. Samir, pour moi, c'est vraiment ses jouets. Il coupe ça de partout. Donc, je me suis dit, je vais essayer de mettre ça ici. Ne faites pas attention à ça, c'est la poubelle. Je vais jeter tout de suite. So, yeah. Donc, j'ai acheté deux rideaux comme ça. Et j'ai juste accroché là et là. Et ça fait... c'était cheap, c'était pas vraiment trop cher. Je trouve que ça va plus mieux qu'avant. Donc, ensuite, j'ai acheté... une passoire comme ça. Donc il est un peu grand et il est un peu trop pratique que celui que j'utilisais avant. L'autre il est petit, il est pas mal, je vais toujours l'utiliser, je garde d'abord, mais ça j'en avais besoin parce que c'est un peu trop pratique, je vous montre. Donc tu peux justement faire ça et l'eau coule et ça va directement là, et non, tu accroches ta main comme ça. C'était à 12$, j'aime beaucoup. Et c'est comme ça que je l'ai pris aussi. Comme vous pouvez voir. Il n'est pas trop grand. Il y avait aussi d'autres plus grands que ça. Puis moi, je voulais ça parce que je ne jette pas l'autre, je garde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite, j'ai pris celle-ci. C'est pour l'ail, garlic. Donc, tu appuies là, tu mets ton... tu mets l'ail ici et tu appuies, donc c'est très facile aussi. J'étais un peu trop fatiguée de couper, et donc voilà, j'ai acheté ça, mais je trouve que je garde pas longtemps, justement parce que c'est en plastique et je trouve que ça ne tient pas bon. Ça va s'abîmer trop vite parce que j'ai essayé avec hier et j'ai forcé. Non. Ça, je vous ai présenté du jus et j'ai déjà fini. Ensuite, j'ai pris ça. Ce sont des brosses pour la vaisselle.
ou bien pour les biberons comme ça par exemple, pour laver à l'intérieur les verres et tout. Vous pouvez voir, ils ont essayé de montrer ici pour les bouteilles et tout. Et j'utilise, j'en utilise déjà, mais sauf que c'est foutu, c'est plus trop bien. Et en gros, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai pris ça pour sponge holder. Donc ça va m'aider. C'était moins cher aussi à Marshall. C'était à 5 $. So, ça va beaucoup m'aider, comme vous le voyez ici. Et je vais juste essayer. Je vous montre. Donc je vais juste essayer de, avec ça. Je vais juste essayer d'accrocher comme ça. Et puis c'est parti. Donc mon sponge, je peux facilement mettre là. C'est très pratique. C'est très pratique. So, j'utilisais ça, mais je trouve que non. Ça fait couler de l'eau et ça, c'est bon parce que tu mets là. Et du coup, quand si ton sponge, il y a de l'eau à l'intérieur, directement, ça coule en bas comme ça. Donc, vous voyez que ça reste, ça tient vraiment. So, c'est vraiment trop bien et pratique. Pour ceux qui seront intéressés, en tout cas, n'hésitez pas. Je suis sûre qu'à Walmart, il y en a aussi. Mais c'est juste que moi, quand je fais le shopping et que je trouve des trucs aussi intéressants à la même place, je me dis pourquoi aller acheter ailleurs et ici, là. Donc, voilà, c'était à 5 $, 400. 4 $ plutôt, 99. Ouais. Et puis, cette marque, pas vraiment mal. La marque ici, je pense que vous connaissez. Et si vous essayez de toucher aussi, c'est en plastique, mais on va dire mélanine parce qu'il est un peu trop dur. Voilà. Ensuite, je me suis acheté cette bouteille. J'en avais mis cassé. C'est pour l'huile. Je vais mettre de l'huile ou soit vinaigre. Mais c'est de l'huile que j'ai acheté pour l'huile de, pour cuisiner et tout. Et puis, à la fin, c'est ça. Non, j'ai acheté aussi paire de couteaux comme ça. Ça me vient de verser du jus dessus. C'est 3. Le gros, ça et ça. C'est juste les couteaux que j'ai ici. Ils sont vieux et j'ai envie de changer. Donc celle-ci va beaucoup m'aider. J'ai acheté d'abord les 3 en attendant que je m'achète. Sorry. C'est que j'ai envie d'acheter. Il est un peu trop cher pour l'instant. Et donc j'ai pris celle-ci pour le moment. Ensuite, ça, c'était les plus importants en fait. C'est ça qui était vraiment, 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 vraiment très. C'était comment très quoi. On en voulait vraiment. Moi, personnellement, j'en voulais vraiment ici à la maison parce que voilà. Tous vous savez qu'il y a air fryer. C'est très important. Et donc, ça va me permettre de faire une recette très facilement, très vite ici. Et il était moins cher. Je ne sais pas, il était à combien. Vous pouvez voir là, on fait des frites, pommes sautées. Vous pouvez même faire votre burger. Vous pouvez frire de la viande, le poulet et tout. Donc, il y a des recettes, en tout cas, que je vais faire avec cette machine. Et comme vous savez, je suis très, 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 très chaude avec les recettes ces jours-ci. So, il est comme ça. Et puis, il était à 32 $. Mais il était cher. Il était à 100 et quelques. J'ai vu là-bas. C'est pas la marque que je voulais. Mais pour l'instant, je trouve que c'est bon. Et puis, c'est petit. Il n'est pas trop grand pour la famille. Donc, c'est déjà bon comme ça. J'aime beaucoup la marque Ninja. Mais pourquoi ne pas utiliser. Vous pouvez voir là. Il y a les frites. Vous pouvez faire de tout et de rien. You know, so on va essayer d'enlever dans les cartons comme ça vous puissiez voir comment ça se passe. Et puis il est 4-in-1, so air fry, broil, bake and roast. Donc c'est déjà bon. On va essayer d'ouvrir et puis comme ça je vais vous montrer. So il se présente comme ça si vous voulez voir. Il est pas trop gros, trop gros. I don't know. But, ça se présente comme ça. Et puis je pense l'écran c'est ici comme comme là. Ouais. Comme là tout ce qui est là. Et c'est tactile les gars. C'est du tactile. Et puis
accepté vraiment, mais c'est bon. C'est bon pour l'instant. Vous pouvez frire vos histoires ici vite fait. Et yeah. C'est bon pour l'instant. En tout cas. Et ce qui est bien avec cette marque, donc il y a tout ici. Vous pouvez lire. On vous montre comment utiliser et tout. Mais en entre temps, on vous donne ici quelques American's One Favorite Fried Food Recipe. Ici, il y a des recettes, des différentes recettes que vous pouvez toujours vous en procurer pour cuisiner et tout. Donc la machine, elle se présente comme ça. Yeah. Et, je vais essayer de trouver une place pour la machine juste là. So, voilà tout ce que j'ai acheté pour la cuisine. Si vous aimez ce genre de vidéos comme ça, si vous avez découvert des petits trucs aussi dans cette vidéo qui vous intéresse et que vous pouvez trouver aussi de partout, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, sûrement, je pense que vous pouvez trouver. N'hésitez pas à laisser un très gros like et puis écrivez en commentaire. Let me know if you really enjoy this video and if you need more videos, so share. Click on the bell sur le... On the bell. La cloche, il y a pour activer la notification afin que vous soyez au courant quand je poste mes vidéos. Surtout, merci pour votre amour, merci pour votre soutien. I will see you guys in my next video. Accenti, peace.